Bonjour. Donc Nicole et moi, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter le travail spirituel de notre amie Josiane Ménard, peintre médiumnique, que nous connaissons depuis assez longtemps maintenant. Et nous allons donc vous présenter son travail spirituel. Donc, Josiane, elle est née en Normandie, elle a vécu longtemps en Normandie, c'est dans cette région qu'on s'est côtoyé longtemps, et désormais elle vit dans la Vienne, non loin, le haut de la Vienne, donc non loin de la ville de Saumur. Donc Josiane, est-ce que tu pourrais nous expliquer maintenant comment ton travail spirituel a commencé ? Mon travail spirituel a commencé il y a 31 ans, oui. Après le décès de mon fils, Yann, décédé accidentellement à l'âge de 20 ans. Je pleurais beaucoup sa perte et un jour je me suis mis à écrire et sur le papier ça a marqué « Maman, je ne suis pas complètement partie oui. ». Pour moi, ça avait été un choc parce que je pensais que je ne reverrais jamais mon fils. Pour moi, c'était le néant. Oui. Et de sentir qu'il était là, je me suis mis à écrire. Mais dans les écrits, il y avait du bon et du mauvais. D'accord. Donc, j'ai pas osé trop écrire et j'en ai parlé un peu à des amis oui. qui étaient plus ou moins versés dans le spirituel. On m'a dit, méfie-toi, tu peux avoir du bon comme du mauvais. Et un jour que j'étais pas bien, un ami m'a présenté à toi. Oui. Et je suis venue pour me faire soigner. Et en même temps, tu m'as parlé de tous tes enseignements. C'était dans les années 90. Oui. Donc ça fait 28 ans maintenant. Oui. Et j'ai suivi donc très assidûment parce que j'étais très intéressée et je me rendais compte qu'avec ton enseignement, je pouvais écrire sans crainte, sans peur et sans être perturbée par du négatif. D'accord. De là, j'ai suivi au maximum tes enseignements. Ça a suivi pendant 7 ans, je pense, oui. à peu près. Oui, oui, c'est ça. Oui. Tout en dessinant, en écrivant, et au fur et à mesure, alors que je n'avais jamais tenu un crayon de ma vie pour faire le dessin, oui. mon fils était peintre, il oui. avait suivi les Beaux-Arts pendant 4 ans, et il était peintre et c'était sa vocation, il adorait la peinture. D'ailleurs, on voit, on va... Vous allez voir la photographie de Yann et vous allez voir des exemples de ses dessins. Donc vraiment à Yann. Oui. Il avait 18 ans là. 18 ans, d'accord. C'était un garçon joyeux, gentil. On voit sur la photographie ah, oui. qu'il a même un air un peu coquin. Ah, il aimait bien nous taquiner. Alors, ces trois dessins-là, je les ai encadrés, mais ils ont été faits vers l'âge de 12 ans à peu près, 10-12 ans. Donc on voit que Yann, pour ses dessins qui ont été réalisés à l'âge de 12 ans, était vraiment très doué dans le dessin et la peinture. Oui. Par contre, Josiane, rappelons-le, n'a jamais pris aucun cours de dessin. Non. Et vous allez voir des exemples de ses toiles, de ses dessins, de ses peintures. Donc ce que nous devons préciser, c'est que dans le travail spirituel de Josiane, il y a eu plusieurs phases différentes et complémentaires. La première phase,
a consisté en des tableaux surtout d'esprit de la nature. Tu te souviens, Josiane, que tu avais suivi mes ateliers dans la nature, en pleine forêt de Roumare, en Normandie, sur les esprits de la nature. Le thème, c'était comment communiquer avec les esprits de la nature. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Que s'était-il passé pour toi? Alors que nous étions en méditation, on s'était allongé et dans un arbre, j'ai vu comme une elfe. Et c'était subtil, mais c'était très joli. Et j'en avais fait le dessin. Oui. Et une autre personne qui était assise à côté de moi, oui, a fait presque le même dessin. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens bien. Ce qui était une magnifique preuve, oui, objective. Oui. Donc à partir de là, il y a quelque chose qui s'est déclenché, c'était la phase des esprits de la nature. Oui. Donc on a des exemples de quelques tableaux sur les esprits de la nature. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a des couleurs magnifiques. Alors évidemment, Josiane est le médium et Yann est le peintre et dessinateur. Voilà. Dans les esprits de la nature, il y a les esprits de la nature dans les forêts, par exemple, mais il y a également des esprits de la nature aquatiques au fond de la mer. Oui. Ce qui est rigolo, c'est que Josiane avait fait une magnifique exposition à Dieppe, oui, en Seine-Maritime, donc tout au bord de la mer, et elle avait exposé justement ces toiles d'esprits de la nature aquatiques. De cette exposition, j'avais rencontré un couple qui était venu voir, et la dame m'a dit, Richard est artiste peintre et sculpteur, mais depuis 9 mois, il ne fait plus aucun dessin, plus rien, il n'a plus d'inspiration. Et il s'était assis devant moi, et je lui ai imposé les mains, et c'était tout, il est reparti. Et le lendemain, sa femme est venue me voir, en me disant, cette nuit, Richard n'a pas arrêté de peindre, il a fait des fleurs extraordinaires, des couleurs superbes. Elle était toute heureuse de voir que son mari avait repris le pinceau et qu'il se remettait à ses œuvres. En quelque sorte, tu l'avais recalé dans de bonnes vibrations. C'est mon guide qui m'a, voilà, qui m'a poussé à le... Voilà. Alors, Josiane, pour une fête des vendanges, a fait un magnifique vitrail, justement, qui représente l'esprit de la nature des vendanges. Je trouve que ce vitrail est absolument magnifique. Alors, Josiane, tu avais mis combien de temps pour réaliser ce vitrail? Oh, je ne sais pas. Tu te souviens? Je suis incapable de le dire, parce que oui, quand je pars et je ne sais pas. Voilà. Quand Josiane effectue un dessin ou une peinture, elle ne sait pas, bien souvent, elle ne sait pas du tout ce qu'elle va dessiner ou peindre. Ça vient sous son pinceau ou sa plume. Et on découvre après, à la fin, soit l'esprit, oui, de la nature, soit le guide spirituel, soit le saint protecteur. C'est tout à fait fantastique. C'est souvent des personnages. Oui, il y a beaucoup de personnages. L'œuvre médiumnique de Josiane a connu 3 phases principales. Comme je disais auparavant, il y a la première phase. C'était beaucoup sur les esprits de la nature. Oui. La deuxième phase, ça a été plutôt sur les guides spirituels des personnes. Vous, oui, savez que
dans l'au-delà, il y a des guides spirituels, des personnes évoluées qui veillent sur nous lorsque nous sommes réincarnés sur Terre. Eh bien, Joséane a la faculté médiumnique, avec bien sûr l'aide de Yann, de dessiner, de peindre ces guides spirituels. Comment as-tu vécu cette phase, les guides spirituels ? Je pense que ça vient du fait des méditations que tu nous as proposées. Oui. Et de faire des méditations sur les guides qui oui. venaient à nous. Je pense que Yann a pensé que c'était bien qu'il les représente. Et je crois que ça vient de là, c'est très important. Méditer sur nos guides, méditer sur ceux qui nous protègent, c'est important. Je rappelle, entre parenthèses, que sur YouTube, justement, oui. j'ai mis 5 méditations sur comment contacter nos guides spirituels. Donc je le rappelle à ce sujet-là. Enfin, c'est une parenthèse. Alors c'était une période où j'avais créé une association, La Pensée Positive au service de la vie, à Rouen, en Normandie. Et donc, avec Josiane, on animait, hein, parce que Josiane n'était pas seulement une participante, à un moment donné, elle animait avec moi, hein, en collaboration avec moi, des cours, hein, des séances de méditation, où elle délivrait des messages. Moi-même aussi, je délivrais des messages. Et ensemble, nous avons animé, nous avons effectué des conférences. Notamment une conférence mémorable, à mon avis, c'était dans une maison de retraite à Rouen. Et ça a été très fort parce que, si vous voulez, c'était une conférence, le thème c'était la vie après la mort. Donc pour des personnes qui étaient devant nous, qui étaient en fin de vie, c'était, je pense, à l'époque, un grand réconfort. Et Josiane a fait un magnifique dessin devant ces personnes durant cette conférence, donc ça a été très très réconfortant pour les personnes. Donc ça a été ta deuxième phase, ce sont les dessins et peintures de guides spirituels. On va en voir tout de suite des exemples. Je pense que c'était très important pour les personnes qui ont peur, qui appréhendent de partir, c'était un très important de savoir que on n'a pas à craindre, on peut, en allant vers nos guides spirituels, la mort n'est pas effrayante, au contraire, c'est quelque chose d'heureux qui nous attend de l'autre côté. Ça, c'est des guides. Alors voilà, ça fait partie des guides que Yann me guide à peindre. Et on fait le dessin, il me guide à faire le dessin et il me donne les couleurs. Et si c'est plus clair, plus foncé, il me le dit. Et moi, je suis tellement habituée maintenant que ça vient tout seul. Mais c'est du bonheur. C'est du bonheur. Alors bien sûr, la signature, c'est toujours Yann, puisque c'est lui qui me guide. Josiane, selon toi, tu as, depuis 1990, peint, dessiné combien de toiles ? Exactement, je ne saurais pas le dire, oui. Je pense environ 1500. C'est énorme. Un petit peu plus, peut-être, je ne sais pas. C'est énorme. Oui. On constate que c'est un travail spirituel considérable. Et donc tu as pu aider une quantité énorme de personnes. Oui. Bon, mais c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Alors donc, il y a eu une troisième phase, beaucoup plus récente, après les guides spirituels,
C'est une phase qui date depuis, tu m'as dit, le mois de juillet 2018, donc c'est tout neuf, c'est tout récent. C'est la phase de dessin, de dessin protecteur. Oui. Comment ça se passe pour les seins protecteurs? Eh bien, on me dit, suivant les personnes, on me donne le nom du sein qui protège, qui est plus près de telle personne. Par exemple, Saint-Jean. Oui. Saint-Jean de Dieu. Oui. Va être très proche de quelqu'un. Oui. Sainte Clotilde ou Sainte Odile oui. Est très proche de gens qui magnétisent ou qui sont proches et qui sont très très croyants. Il y a également comment expliquer. Mais le bonheur, c'est de dessiner ses seins. Oui. Et de pouvoir faire voir aux gens comment, depuis l'au-delà, oui. Comment Sylvain, comment Yann les voit. D'accord. Et de là, il fait des dessins que je ne comprends pas toujours, mais quand les gens sont devant ces dessins, oui. C'est un bonheur pour eux parce qu'ils ont le reflet de leur protecteur, donc c'est une aide qu'on leur envoie. Et par conséquent, je suppose que quand on a ce dessin qu'on a emporté chez soi, on peut d'autant plus facilement prier oui. Devant le portrait de ce saint qui nous protège. Oui. D'accord. On peut prier, méditer. Oui. C'est très bien d'écouter une méditation tout en ayant cette photo du saint devant vous, parce que c'est plus fort, c'est beaucoup plus fort. D'accord. Donc là, c'est une troisième phase, je dirais, qui est... on pourrait supposer qu'il y a une évolution dans cette peinture médiumnique, les esprits nature, ensuite les guides spirituels, maintenant les saints protecteurs, c'est comme si on allait de plus en plus haut dans l'au-delà sur les plans invisibles. Oui. D'accord, c'est vraiment très très intéressant. Oui. On va voir des exemples maintenant de saints protecteurs, de dessins de saints protecteurs. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous fait écrire les noms des saints. Et oui. Comme ça, au moins, on sait de quel saint il s'agit. On n'a pas uniquement le portrait, on a la dénomination du saint. Lorsque j'habitais en Normandie, oui. Étant à la retraite, je pensais trouver un logement et je cherchais une maison. Oui. Et un jour que je me passais devant une librairie, j'ai été poussée pour entrer dans cette librairie. Et je suis arrivée nez à nez devant un livre qui s'appelait « L'immobilier en France ». D'accord. Étant donné que j'étais poussée, j'ai acheté ce livre. Mmh. Et en rentrant chez moi, je l'ouvre et je vois une maison dans la Vienne. Donc je regarde, je téléphone et je prends rendez-vous pour visiter cette maison. Oui. Mais je prends d'autres rendez-vous à droite et à gauche pour dire oui. Je ne veux pas m'arrêter là, je veux être sûr de bien faire.
Et je suis venue visiter la maison, j'en ai vu d'autres. Et la maison, il n'y avait pas de clé, on ne pouvait pas rentrer. L'agent immobilier me dit, j'ai pas les clés. Je lui dis, je rentre en Normandie, mais quand vous aurez les clés, vous m'appelez. Dès qu'il a eu les clés, il m'a appelé et je suis venue. Et c'est là que j'ai acheté cette maison, dans la campagne, loin de beaucoup de choses, bien loin de tout. Et depuis, je pense que le fait de vivre un peu en ermite, parce que je suis retirée de beaucoup de choses, peut-être que le fait de vivre en ermite, de pouvoir méditer, m'a permis de pouvoir avancer dans ce travail spirituel, et dans les écritures et dans les peintures. Oui, parce qu'il faut ajouter, Josiane, que lorsque tu fais une peinture pour une personne, par exemple, la personne vient te voir, elle a des problèmes, tu lui fais une peinture ou un dessin, souvent tu as des messages pour elle aussi, de la part souvent de ses guides spirituels. Et souvent les personnes ensuite disent « vraiment ça a transformé ma vie positivement, ou tout du moins ça m'a beaucoup soutenu ». Il m'arrive aussi de pouvoir communiquer avec des décédés. Et des décédés qui sont montés, parce que ceux qui ne sont, sont pas très nets, bon, je n'ai aucun contact avec eux. Mais avec ces gens qui sont décédés, quelquefois ça peut aider quelqu'un qui est parti trop vite. Et qui n'a pas pu dire adieu à sa femme ou à ses enfants, avoir un message, c'est que du bonheur pour ces gens-là, parce qu'ils ont un message d'un être qu'ils ont aimé. Et ils font un peu comme moi j'ai fait quand j'ai perdu Yann, parce que quand il est parti, pour moi, il était parti. Et de savoir qu'on a des êtres... qui sont proches de nous, qui sont dans la lumière, qui sont toujours bien vivants, qui sont bien vivants malgré tout, parce que leur esprit est là, et c'est du bonheur pour eux. Et je pense que certaines personnes sont sorties d'un état maladif, dépressif, suite à une communication qu'ils ont eue par rapport à un être cher. Et oui, prendre conscience que la personne qu'on croyait perdue à tout jamais est là, elle veille sur nous. Comme on dit souvent, les liens de l'amour sont indestructibles. Et puis, il y a un côté rassurant, c'est qu'on sait qu'on se retrouvera. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, c'est magnifique ton message, Josiane. C'est du bonheur. J'ai eu la chance d'avoir ce bonheur. Et tu vois, mon deuxième fils est décédé il y a 2 ans et demi. C'était quelqu'un de gentil qui a beaucoup souffert. Et il est parti d'un AVC. Et de pouvoir... J'ai eu quelques mots de lui, mais ça s'arrête là. Il n'est pas là pour ça. C'était un musicien, il était bercé par la musique, mais... il était différent, ils étaient différents. Que Yann, il est là pour pouvoir transmettre des messages et faire des dessins pour apaiser les gens. Oui, chacun sa mission. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire, à part de ces trois phases, je sais qu'il y a aussi eu des phases, je ne dirais pas intermédiaires, mais autres, ou tout du moins des peintures autres, de protection, pour protéger d'ondes négatives en géobiologie, ou pour protéger carrément de ce qu'on pourrait appeler une magie négative. D'ailleurs, quand on entre dans l'appartement de Nicole et moi-même à Vichy, la première chose qu'on voit face à soi, face à la porte, c'est un miroir que tu as peint pour nous, qui a pour but de protéger des personnes malveillantes qui voudraient pénétrer dans ce logement. On est d'accord pour accueillir à bon cœur les personnes, mais bon, les personnes qui a pour but de protéger des personnes malveillantes qui voudraient pénétrer dans ce logement. On est d'accord pour accueillir à bon cœur les personnes, mais bon, les personnes fâcheuses, on n'est plus d'accord. Voilà.
On va d'ailleurs vous montrer quand même un exemple de ces miroirs protecteurs. Alors là, c'est pareil, on a fait une quantité énorme, souvent différents les uns des autres, avec des buts bien spécifiques. Nicole et moi, on a bien pu vérifier que ces miroirs sont extrêmement efficaces. Donc, Nicole. Donc Josiane, gentiment, propose d'effectuer maintenant devant nous un dessin médiumnique qui a pour but, il a quel but ce dessin, Josiane? Il peut apporter beaucoup d'énergie. C'est un dessin, je pense qu'il va être universel. Il peut aider beaucoup de gens à se sentir mieux. Oui. Bon, étant donné que c'est Yann qui va le faire, parce que humblement, je suis derrière. Tu es le canal. Je suis le canal. Donc, je vais me mettre à dessiner et puis on va bien voir ce qui va en sortir. D'accord. Ça va peut-être être un peu long. Thank you.
Josiane, nous te remercions du fond du cœur. Est-ce que tu aurais un dernier message à transmettre aux personnes qui vont voir cette vidéo? Oui, je peux donner un message d'espérance. Je suis une jeune retraitée de 82 ans et j'ai du bonheur. C'est du bonheur de pouvoir communiquer et je pense que tout le monde devrait prier à sa façon, quelle que soit la religion, et que ce soit des catholiques, des chrétiens, de quelque religion ce soit, ou des bouddhistes, ou, peu importe, mais prier. Et prier pour la paix dans le monde, que les tensions s'apaisent, qu'il n'y ait plus des attentats comme on a pu en voir, oui. Et que qu'on se tourne vers le divin. Voilà. Merci, Josiane. Merci beaucoup. On te remercie, Josiane.